Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul Shein. J'ai sélectionné quelques articles pour le 11 novembre. On sait que le 11 novembre c'est la folie, il y en a partout. Il y a des promos de partout, plus particulièrement sur Shein qui est un site où déjà les prix sont assez bas. Là c'est la folie, je ne savais plus où donner de la tête, j'avais envie de tout acheter. J'ai fait une petite sélection, je vais vous présenter tout ça comme d'habitude, je vous mets les photos ici avec le prix, je vous présente les articles en vous montrant un petit peu plus les détails et ensuite je vous fais la vidéo portée pour que vous vous rendiez compte un petit peu ce que ça donne portée. Vous avez tous les liens des articles qui sont en barre d'infos avec mon code promo qui est cumulable avec les promos qui sont déjà sur le site, donc autant vous dire que là ça vaut grave le coup, c'est la folie. Et du coup bah voilà, je vais vous présenter tout ça comme d'habitude tranquillou et c'est parti. J'ai craqué pour une robe rouge à fleurs. Moi j'adore les robes, j'adore les fleurs, j'adore les robes à fleurs, voilà. Très très jolie, j'aime beaucoup ce col là. J'avoue que j'ai pas beaucoup de vêtements avec un col comme ça. Ça fait un peu col style, bah je sais pas si c'est un col Mao. Non je pense pas, je sais pas, qui est décolleté. Bon, vous allez voir porter, ça sera plus parlant. Avec des petites manches comme ça, avec un petit bouton. Des jolis motifs comme ceci avec des beaux coquelicots. Un élastique resserré à la taille. Alors celle-ci, je vous conseille de la porter avec une ceinture. Je trouve que c'est plus joli. Et la robe voilà qui descend comme ça. Elle est très très belle. Ça fait une très jolie poitrine. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup beaucoup. Après, bon, vu que moi j'ai une forte poitrine, c'est vrai que l'élastique a tendance à être un peu sur mon sein. Mais je trouve pas que ça soit gênant, avec une ceinture ça le fait carrément. Donc celle-ci je l'aime beaucoup beaucoup, voilà, je l'adore. Et là pour la période je trouve que c'est canon, franchement c'est canon. Avec un petit collant noir et une paire de bottines, ça fait l'affaire, j'adore. Alors celle-ci je l'adore au niveau de la couleur, même de la coupe. Bon, le souci c'est que comme j'ai une forte poitrine, vous voyez ça c'est censé être en dessous la poitrine. Sauf que moi bah, c'est au milieu. Mais je trouve pas ça choquant finalement. Ça me choque pas. Donc voilà. On a les manches comme ceci avec le bouton. Bon là j'ai pas attaché. Les petits motifs fleurs que j'aime beaucoup trop. Au niveau de la longueur. Alors en fait moi j'aime bien cette longueur là pour les robes d'hiver. Quand ça passe en dessous le genou j'aime pas. Enfin moi je trouve que ça me grossit encore plus les mollets. Donc voilà. Mais ça, celle-ci il faut la mettre avec une ceinture. Hein. Sinon c'est trop large. Mais avec une petite ceinture ça fait canon et je l'adore. Ensuite un autre coup de cœur. Bon là vous allez voir sur cette commande j'ai beaucoup de coups de cœur quand même. J'ai sélectionné une autre robe que j'aime trop encore. La couleur les gars, la couleur, je suis fan. Est-ce qu'on en parle? On a un joli décolleté croisé. Je pense que je vais faire un point dessus. Avec des manches comme ça bouffantes. Non mais je sais pas, c'est moi ou elle est magnifique. Regardez les motifs. Les motifs et la couleur. Je l'adore, c'est vraiment une de mes robes préférées. Avec une autre que je vais vous montrer. Vraiment j'adore. Vous avez un petit lien là pour faire un nœud. Mais ça ne resserre pas, hein. C'est un lien qui a été cousu comme ça sur la robe. Voilà. Voilà, voilà la beauté de la chose. Vous allez voir que j'ai pas la même tête sur les essayages, c'est parce que bah, c'était pas aujourd'hui tout simplement. Donc voilà, après ça on s'en fiche un petit peu. Mais est-ce qu'elle est pas canon? Je trouve qu'elle est très très canon. Franchement j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà pour cette jolie petite robe, je vous montre l'essayage. Alors pour cette robe, je l'adore. Je l'aime beaucoup trop. Elle se présente comme ceci. Bon voilà, au niveau du décolleté, vous pouvez faire un petit point, vous avez le lacet ici et au niveau de la longueur, voilà, au niveau de la longueur ça donne ça. Elle est trop 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 canon. Alors ensuite j'ai pris une autre robe dont j'achète jamais ce style de robe mais je la trouvais très très jolie. Elle est très très épaisse, faut le savoir. C'est une robe comme ça à carreaux avec un col bah, comme une chemise, hein. C'est une robe chemise on va dire. Avec un gros élastique au niveau de la taille, les petites manches comme ceci, voilà,
et bah, une robe, voilà, une robe quoi. Les motifs sont canons. La robe est très épaisse, hein. Vraiment, ça vous pouvez la mettre cet hiver, il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas froid. Je l'aime beaucoup beaucoup, je trouve qu'elle tombe très bien. Les motifs, bah, ça fait très hivernal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment canon cette petite robe. Et j'étais vraiment étonnée du tissu, je vous dis ça, c'est du costaud, c'est du épais. Donc je pense que la prochaine fois, je vais craquer mais pour une chemise, une vraie chemise comme ceci, avec ces motifs. Ensuite nous avons celle-ci. Voilà. Au niveau de la longueur. Très très jolie. Franchement très jolie. Très épaisse. Très épaisse. Vous avez l'élastique là en dessous de la poitrine. Franchement les motifs. Voilà l'élastique là comme ça. Trop trop belle. Trop belle. Ensuite j'ai craqué pour cette robe que j'adore. Celle-ci je l'adore aussi. Je sais pas si c'est cette couleur qui me fait cet effet là, mais j'aime beaucoup. On a un petit col comme ça, col V avec des petits froufous sur les côtés. Alors j'aime trop. L'élastique au niveau de la taille et la longueur. Les manches sont resserrées comme ça. Donc ça c'est parfait. Et regardez-moi ces motifs. J'aime trop les motifs, j'aime trop la couleur, j'aime trop la coupe, j'aime trop les froufrous, j'aime beaucoup trop cette robe. Voilà, je l'aime beaucoup trop, donc celle-ci, je la valide à 100%. Et donc nous avons celle-ci que j'aime tant, j'adore, avec les petits froufrous, l'élastique au niveau de la taille, les manches resserrées avec l'élastique. Au niveau de la longueur, c'est parfait. J'aime trop cette robe, franchement elle est trop belle. Voilà. Rien à rajouter, franchement. Regardez les petites fleurs là, trop canon. Elle est parfaite cette robe. Voilà. Ensuite on va passer un peu au pull, au cardigan, etc. Alors j'ai pris des cardigans, hop, attendez, voilà. J'ai pris un cardigan, alors celui-ci je l'ai pris plus petit que ma taille habituelle mais il est quand même très large, mais il se porte très large donc en même temps voilà. On a, hop, bah c'est un cardigan noir en maille assez assez large, enfin je sais pas comment vous dire, mais bon, il y a des cheveux, il y a un cheveu. Vous voyez, il est quand même assez transparent et c'est pas super épais quoi. Je l'aime beaucoup, beaucoup beaucoup, les manches sont extra larges. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Vous voyez, il se porte très très loose. Il est très 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 agréable à porter. Il ne pique pas du tout. Hein. Vraiment, il est très doux. Voilà, je l'aime trop. Rien à ajouter de plus. Je l'aime. Je l'aime ce petit cardigan. Et je vous montre ça en vidéo qui ne va pas du tout avec la robe que je porte. Mais on s'en fiche. Je vous montre ça. Bon, le gilet ne va pas du tout avec ce genre de robe. Parce que, comme vous voyez, c'est un gilet très loose. Voilà, très large. Un cardigan, mais voilà, pas avec ça, hein. C'est pas joli avec, mais j'ai la flemme de me changer. Mais il est très très sympa, regardez la maille, il tient pas super chaud, hein, mais très 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 sympa. Moi j'aime bien les petits cardigans comme ça. D'ailleurs, ce que je porte sur moi, c'est une robe qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup également. Bref, ensuite on passe à un pull robe, une robe pull, c'est mieux, que j'aime beaucoup aussi. Alors c'est un peu transparent, donc je vous conseille de mettre un débardeur noir en dessous, et si vous le mettez avec un collant assez opaque, il n'y aura pas de souci. Donc c'est un pull comme ça, vous voyez, on voit en transparence, hein, pour vous dire. Le petit détail va se trouver au niveau des manches, parce que vous avez comme ça des trous, avec de la dentelle. Je trouve que ça rend super bien, ça change. Voilà, vous voyez. Au niveau des bras, ça change. Il est canon. Franchement, il est canon, ce petit pull. Cette petite robe, je sais pas comment on peut l'appeler. Assez longue au niveau de la longueur, ça va. Bon, après, je fais 1m71. Donc, c'est à prendre en compte. Si vous êtes plus petite, bah, ça sera plus long. Hein. Si vous êtes plus grande, ça risque d'être compliqué. Voilà. Mais pareil, celui-ci, je valide. Pour le pull, j'ai pris celui-ci, donc comme vous avez vu, il est un peu transparent, un peu beaucoup transparent. Donc faut mettre quelque chose en dessous. Hein.
Le petit détail au niveau des manches. Voilà, au niveau de la longueur. Ça me va. Et voilà, c'est juste transparent, donc il faut mettre un débardeur en dessous, sinon on voit le soutien-gorge quoi. Mais vous voyez le détail des manches, j'aime beaucoup. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, ça fait un moment celui-ci que j'hésitais. Il était dans mon panier, je l'enlevais, je le remettais, Et là, j'ai craqué. Alors la couleur ne va pas plaire à tout le monde. Moi, j'adore le violet. Et je me suis dit, ben allez, tant pis, c'est l'hiver. Mais allez, si t'as envie de mettre du violet, mets du violet. Donc c'est un cardigan comme ceci. Alors vous avez une maille comme ça, un peu tricot. Et sur les manches, une maille comme ça. Vous voyez, il y a deux mailles différentes. Je l'aime trop. Alors déjà, il est très très agréable à porter. Doux, enfin vous voyez, ça gratte pas du tout, ça pique pas du tout. Il tient chaud, franchement il tient chaud. On dirait pas comme ça, mais je vous assure, il tient chaud. Et la couleur, j'aime trop. J'ai déjà un haut de cette couleur là que j'avais pris sur Shein et je l'aime trop. Comme je vous dis juste après dans l'essayage, j'ai une paire de Stan Smith violette et une autre paire de baskets Superga violette, et du coup je me suis dit habillée soit avec un jean, un t-shirt noir ou tout en noir avec mes baskets violettes et ça. Voilà, j'aime trop. Donc je voulais absolument un pull ou voilà un cardigan, un gilet de cette couleur. Et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. La qualité est dingue. Vous voyez, il n'y a pas de fil qui dépasse. Il est... je pense que je vous le dirai à chaque vidéo, mais franchement, la qualité, je suis choquée quoi. Bon, au niveau des cardigans, on a celui-ci qui ne va toujours pas avec ma robe. Hein, on est bien d'accord. Que j'aime trop en mode un peu tricot, vous voyez. Et je l'ai pris en violet parce que déjà j'adore le violet et que j'ai mes Stan Smith qui sont violettes et j'ai des Superga également violettes. Donc je me suis dit un petit jean, un haut blanc ou noir avec ça et mes Superga ou mes Stan, ça me va trop canon et j'aime trop. J'aime trop ce petit cardigan. Voilà, pour ça, bon, cette petite veste, ce petit blazer qui est malheureusement trop petit. Je pense, oui, c'est moi qui me suis trompée dans la taille, hein, tout simplement. J'aurais dû prendre plus grand. Donc c'est un petit blazer comme ceci, blanc avec des fleurs. Vous voyez, les manches sont assez larges. Elles se resserrent ici, très très jolies. Les motifs sont très beaux. Alors par contre, il est très très léger. Hein. Très très léger, vous avez la fermeture. Du coup, bah, je peux pas vous l'essayer puisque je ne rentre pas dedans. Hein, donc... je vous mettrai quand même le lien parce que franchement il est très joli, la qualité il n'y a aucun souci. J'ai juste fait une erreur de taille donc voilà quoi. Ensuite je vous présente une robe, alors je vous explique cette robe. Je vous l'explique, enfin c'est chiant parce que c'est un doublon, je l'ai déjà expliqué lors de l'essayage. Mais j'ai une soirée déguisée qui arrive et je vais être déguisée en Cruella. Et du coup je voulais une robe qui, waouh, tu vois, alors Cruella quoi. Et j'ai sélectionné cette robe là sauf qu'elle est trop courte. Et au niveau des bras ça me sert un petit peu. C'est trop dommage parce que ça aurait fait trop canon. Je sais pas encore, franchement je suis encore mitigée mais franchement elle est courte. Elle est d'une qualité les gars, vraiment je vous assure, elle est épaisse. Les manches sont lourdes, vraiment c'est une qualité de dingue. Donc c'est une robe noire en velours avec des manches comme ça, tout en sequins rouge. Elle est magnifique, hein. Franchement elle est trop canon. C'est pas du tout mon style, c'est parce que je mettrais c'est pas ce que je mettrais vous voyez en temps normal, mais portée elle est trop trop canon. Mais elle est courte quoi, malheureusement elle est assez courte et c'est dommage parce que vraiment elle est belle. Après je me dis si je mets un petit shorty avec, peut-être que ça peut le faire. Je vais voir, faut que j'essaye. Mais franchement la qualité, je vous montre en vidéo mais choquée. Je suis choquée. Donc voilà pour cette robe là. Ouais, qualité de dingue et très très jolie. Et nous avons donc celle-ci, le clou du spectacle. Ma robe que je vais prendre pour l'anniversaire de Mel, pour mon déguisement de Cruella. Alors je dis pas qu'il faut être déguisé en Cruella pour la mettre. Je vous avoue qu'elle me sert un peu. Hein. Au niveau des bras déjà, ça me sert. Mais c'est canon n'empêche. Hein. Les canons et la qualité les gars, je vous raconte même pas, qualité de fou. Et au niveau du bas, bon elle est très courte. Elle est très très courte, je sais pas si je vais être vraiment à l'aise, mais c'est court quoi. Faut que je mette un collant un peu plus opaque que celui-ci hein, parce que là
On est sur du court. On est sur du court court, donc un collant un peu plus opaque, ça passera mieux. Après au niveau de la coupe, je sais pas si vous allez bien voir, bon là on voit le soutif, c'est pas joli, mais vous voyez avec les petites épaulettes là, c'est très sympa quoi. Donc celle-ci franchement, et quand vous voyez la qualité, elle est doublée, les manches elles sont lourdes, remplies de sequins, tout en velours là, c'est super agréable par contre à porter. Après ouais c'est plus au niveau de la taille que ça va me poser problème quoi. Mais franchement elle est canon de ouf, elle est trop belle. Voilà. Et pour finir, alors ça j'ai laissé mon sachet puisque c'est pour ma soeur, je lui ai sélectionné un jean tout simplement. Alors voilà, ma soeur ne s'habille pas au rayon grand taille, donc vous voyez c'est petit parce que je prends d'habitude. C'est un jean noir slim. Je vais pas l'essayer, mais je vous mettrai une vidéo et une photo de ma soeur qui le porte. Voilà, je voulais lui faire plaisir. Il est, vous voyez, il est long, ça fait tout fin. Là, c'est une taille L pour info. Voilà, il est très très joli. Franchement, la qualité est top. Et j'imagine bien ma soeur là-dedans. Franchement, il est trop trop canon. Donc, vous avez la petite fermeture, le petit bouton. Il a l'air d'être bien élastique. Franchement, rien à dire. Donc, je remets dans son petit sachet. Et comme ça, je vous mettrai la photo et la vidéo portée. Donc voilà pour ma petite commande Shein pour le 11 novembre. Comme je vous dis, n'hésitez pas à aller checker sur le site, il y a des promos. Waouh, sélection de fou là pour cet hiver, ça vaut grave le coup. Moi, je refais toute ma garde-robe là pour cet hiver. J'ai envie de changement, j'ai envie de nouvelles robes, de nouveaux pulls, j'ai envie de tout changer. Donc bah, c'est l'occasion, clairement c'est l'occasion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, l'article que vous avez préféré et celui que vous avez trouvé qui me va le mieux. J'aime trop quand vous me conseillez comme ça. Et comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les liens de vos articles chouchous sur Shein parce que j'aime trop voir ce que vous aimez. Et moi aussi, ça m'influence. J'achète vos articles, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.